Il n'est pas 8h30 au complexe Le Majestic. Comme chaque matin du Festival des cinémas d'Asie, Martine Terwan se poste à la distribution des tickets réservés la veille par les spectateurs. C'est la seule façon que j'ai de voir, brièvement certes, mais les festivaliers, de faire leur connaissance, de retrouver les noms que je vois depuis. Mais il y en a, ils sont là depuis le premier festival, hein, réellement. Ah, okay. Fidèle au FICA et dévoreur de films pour la plupart. Disons qu'on essaye de voir le maximum, 6. On fait la journée complète. Puis ça nous fait découvrir les autres pays aussi. On n'ira sûrement pas, alors autant profiter. Le tout étant de bien préparer sa journée pour optimiser le temps. Donc on fait celui-là. Burning. Oui, et puis celui-là. Ça. D'accord. Et celui-ci. Oui. Très bien. Pas mal. Oui. Bonjour. Le FICA offre cette possibilité d'enchaîner en une journée un polar turc, une romance gazaoui ou un drame d'Azerbaïdjan. J'ai trouvé ce film très intéressant, c'est un peu un thriller, il y a des moments où il y a des images où on invente la suite alors que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et puis surtout, en échangeant avec, c'est ça l'intérêt du cinéma d'Asie, en échangeant avec une voisine, ben, on arrive à se construire une autre idée sur le film et à avoir d'autres arguments. Et je trouve ça génial. Je trouve qu'il dépeint aussi une situation de l'islam un peu en désuétude quelque part, hein, qui est de façade. J'aime bien tout ce qui est au niveau Chine, au Japon. J'aime bien aussi l'Afghanistan. Là, parce que c'est des peuples durs quand même. Puis j'ai beaucoup aimé aussi ce qui était assez gay pour changer, Crazy Rich Asians. You're just the biggest developers in all of Singapore. These people aren't just rich, they're crazy rich. You really should have told me that you're like the Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. Parce que c'est un peu une histoire d'amour, mais c'est gay, ça change un peu. J'essaie de panacher un peu des tristes et des moins tristes. Et puis, à l'issue d'une séance, les protagonistes ou le réalisateur d'un film échangent avec le public. We love the hospitality audience. We love you all. D'accord. Une proximité comparable à nul autre festival et appréciée des artistes eux-mêmes. Membre du jury international, le Kazakh Yerlan Nurmagomedov est présent à Vesoul pour la 3e fois. Il préfère cette petite ville aux grandes cités balnéaires centrées sur leurs hôtels de luxe. C'est grâce à ce genre d'intimité, de rapprochement, d'accès en fait, au public qu'on peut découvrir la culture. Là, on découvre la France profonde. On voit qu'il y a comment ils sont les Français qui habitent ici, les habitants, comment ils vivent, comment ils apprécient le cinéma, comment ils veulent échanger. Un échange qui se poursuit le soir à la Bambouserie, une tente installée le long du cinéma où se mêlent festivaliers, cinéastes et bénévoles autour de boissons et produits locaux. Les artistes, ils sont dans ce qu'ils rêvent d'être, c'est-à-dire mêlés à ceux qui n'ont pas le titre d'artiste et qui sont aussi dans la vie réelle. Et la vie réelle, mais c'est tellement qui est très très beau dans la poésie du cinéma. Et tant pis s'il faut se lever tôt demain pour les premières projections. On ne vit qu'une seule fois, une seule.